Grâce à cette aventure, vous allez récupérer 2 des 10 points de santé mentale. Des 10, Oh wouhou! oui. Ah bah, c'est que T'es on va faire le point. l'influence Dolms. On va faire le point après, mais voilà. 2 des 10 points de San. Oh là là, Harry, ça va te faire du bien. Oh, Ah mon bah petit oui. Lloyd. Mon petit Lloyd, qu'est-ce qui... Bon. Et vous allez gagner chacun 7 points de mythe. Parce que bon. 7 points de Oui, mythe. parce Ok. que vous avez quand même. Bon. On a vu des Vous choses, avez hein. quand même Alors, rencontré. tu peux dire qu'ils ont croisé. Vous avez croisé Nyarlathotep. Bah oui, l'homme en noir, Vous forcément. avez eu un aperçu potentiellement d'un grand ancien. Un bébé Un bébé, voilà. en cours de naissance. C'est ça. Puis bon, d'autres choses, parce qu'il y a La créature volante des qui. créatures volantes qui ressemblaient à. Oui, il y avait Je vous les montre un rats, petit peu. tête humaine. La statue de la poule aussi, n'oublions pas. Cette fameuse poule. Je trouve que c'est ça qui nous a donné le La plus poule de mythes. poule. C'est ce qui crie au Baltrap, non? Voilà, alors ça, Poule! c'est ce qui a tué Graves. C'est Ah. une maigre bête de la nuit ou un truc comme Ouais. ça? Voilà. Ouais. Ah, les pauvres. Ah ouais. C'est pas bon pour la santé, ça. Ah non, ça, c'est chiant à tuer en Non, c'est plus. ça. Pauvre Krebs. T'avais dit combien en mythe du tout? 6, c'est ça? 7. 7. J'ai au moins vengé la petite qui s'est sacrifiée C'est dans très bien, l'église. très bien, ouais. En tout cas, cette nuit des Valpurgis, ça aurait été intense. C'est ça. Est-ce qu'il manque des villageois à Northallerton? Non. Parce que j'avais quand même pensé à un moment donné qu'il y avait Ouais. parmi eux des Je trouvais que cultistes. c'était, Oh oui, on c'était s'était pas mal. posé la question. On s'est dit, ça se trouve, même le curé, Ouais. Ah ouais, vous m'avez. l'épicerie, tout ça, C'est un ça se pas. trouve, c'est Je eux. vous trouve que c'est un passage que j'ai bien aimé. Ça m'a bien fait. J'ai trouvé ça sympa. Alors, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous avez des questions? Pourquoi les portails dans chez Holmes, il y avait du vernis dessus? Alors, il y avait du vernis dessus pour pas qu'on puisse les effacer. D'accord, mais on pouvait Ah les bon, utiliser. c'était ce qui avait Oui, été évoqué, ils ouais. étaient utilisables. Ouais. Alors, sachant qu'il y en a un, alors il y en a, vous les avez tous trouvés, sauf un, mais qui était vraiment bien caché. Je parais que c'était sous le lit de Charingford. Alors, c'est sous quelque chose. Ah, c'était pas sous le lit. Non. C'était sous la table de Sous. billard. Oh la vache, Ah ouais. En plus, on y était souvent dans cette table de Bah jeu. oui, c'est pour ça. Il aurait fallu qu'on se mette Et à un quatre moment. pattes et qu'on regarde C'est en dessous, ça. quoi. Oui, Donc, oui. ah ouais. Et Non, mais du coup, c'est t'imagines. qui était passé par le grenier? C'était Stark ou Sherry? Enfin, si à Alors, un moment ça, en donné, il y avait fait, des traces, oui, t'avais il me des semble traces. pas. Bah après, c'était une façon pour les ouvriers de passer, en fait. Alors, effectivement, tu passes un portail pour te rendre à un autre endroit. Donc, en fonction Sheringford, de. il est passé par là, non? Quand il a Sherringford, fait. non, Ouais. Sherringford, il est passé par sa chambre. Il a fait sa chambre. Il a traversé son armoire. Après, il avait expliqué qu'il était entouré de vêtements. Je sais pas si vous vous souvenez. Oui, Donc, oui. en fait, il est passé par ensuite dans la chambre, dans le dortoir des ouvriers, en fait. Et ensuite, alors comment ça fonctionne les portails? C'est qu'en fait, Stark, il a la possibilité, il commandait les choses rats. Et les choses rats sont capables de faire des portails. Et en fait, les choses rats faisaient à sa demande des portails à la craie, puis les effaçaient. Donc, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils faisaient des portails dans toutes les pièces de la maison dès lors qu'ils voulaient aller quelque part, en fait. Et quand Charingforth s'est échappé de prison, je suppose que c'est ça en fait, c'est qu'il y a un homme rat qui a Alors, ouvert un oui, c'est ça. portail. En fait, Ouais, il y avait des traces. ils ont été le récupérer. Ils l'ont Bah, sorti de prison. il était drogué ou hypnotisé? Mais Il ouais. était drogué. Il était drogué? Ouais. Ah, Oui. on n'a pas réussi à trouver la C'était drogue. l'alcool, Alors, il y non? avait l'alcool et il y avait le curry. Ah oui, c'est vrai, le curry, on s'en était douté, mais bon, Oui. après, on l'avait laissé. C'est ça. Mais vous ne l'avez pas pris, le curry. Non.
Mais drogué à l'insu de Miss Hooper et oui. compagnie. Ah, oui. Donc, c'est aucun... Stark qui arrivait Stark à mettre. Qui... Alors Stark, il a manipulé Lucinda. Alors en fait, ouais. Il manipulait. Alors pour remonter un petit peu, en fait, pour avoir. Donc toi, tu apprendras des choses, Maurice, parce que tu as quand même récupéré certaines pages du journal intime de Stark. Ah oui, j'ai trouvé une feuille, oui. Voilà, c'est ça. Et en fait, ça, c'est le journal intime de Stark. Attends, je cherche juste ma feuille. Je vais faire un super article de journal. Ouais, mais tu vas voilà. pas peut-être pouvoir tout écrire. Hein, donc, en fait, Sheridan Ford, comme vous l'avez compris, il est victime d'un coup monté. Et en fait, les meurtres qui ont été commis sur l'ordre de Moriarty, le Napoléon du crime, parce que pour se venger de son ennemi Sherlock Holmes. Et en fait, Sherlock Holmes, il pensait que Moriarty il avait été tué dans les chutes là en Suisse, mais en fait, il a réussi à s'en sortir. À s'en sortir, il a passé un pacte en fait, Moriarty. Moriarty a fait voler un des Necronomicon qui se trouvait au British Museum, et donc ça lui a permis d'apprendre plusieurs choses, et donc voilà. Et ce qui s'est passé, c'est que pour se venger, en fait, Moriarty a fait infiltrer ses hommes au manoir Holmes. Le but, c'était de faire accuser Sheridan Ford pour que Sherlock Holmes vienne sur place et sacrifier son frère, donc la nuit du 30 avril. Ouais, c'était le gros appât, quoi. Voilà, c'est ça. Et en fait, Holmes, lui, au bout d'un certain temps, il s'est rendu compte qu'il se passait quelque chose. Il avait été informé, donc ça, que il y a que Holmes et Lestrade qui étaient au courant que Morant s'était échappé de prison via un portail, en fait. Et donc, il trouvait qu'il y avait des similarités un petit peu entre ce qui se passait à Londres avec Morant, commencer à avoir des indices sur Moriarty, sur le fait qu'il était peut-être pas mort. Voilà, et sur la disparition de Sheridan Ford. Donc, vous avez croisé beaucoup Holmes. Hein. Ah bon ouais, ça, il était déguisé en fait. Voilà, c'est ça, il était caché. Ouais. Mais donc Stark, c'est un homme de Moriarty. Voilà, en fait, et donc Stark, lui, par ce que tu apprendras sur les feuilles que tu as trouvées, c'est que lui, effectivement, c'était le chef du culte qui est devenu un adorateur de Cthulhu dans le Pacifique. Voilà, à l'époque, il se consacrait à des trafics. Ah. Et lorsqu'il est revenu en Angleterre, il a été contacté par Moriarty. Et donc, il lui a demandé d'y aller. Et en fait, ce qu'il a fait, il a envoyé une sombre bête de la nuit enlever un des ouvriers de Holmes. Il s'est présenté le lendemain et en fait, au fur et à mesure, il a fait partir les ouvriers, soit en les faisant attaquer par des choses rares, soit le dernier qui restait, c'était Jimmy Clay que vous avez rencontré, qui lui est devenu fou à force d'être drogué et puis de... D'où le meurtre de Fishben, en fait. C'était pour voilà, c'est ça. En fait, Fishben, Fishben, en fait, si tu veux, lui, c'est le dernier à arriver. Mm-hmm. Et, il fallait l'éliminer, quoi. Voilà, parce que, en fait, Sheridan Ford, si tu veux, c'est quelqu'un de gentil, etc. Mais lui, il ne supporte pas tout ce qui est en rapport avec les femmes, c'est-à-dire il aime pas qu'on enquiquine les femmes, qu'on les
qu'on les malmène, etc. Et en fait, Fishben, il a fait, excusez-moi l'expression, hein, mais il a fait un peu son gros lourd avec avec Lucinda. Mais ça, c'était ce qui était prévu. Lucinda, elle est tombée amoureuse de Stark. Stark lui a dit, je vais t'emmener dans les îles, etc. Mais en contrepartie, il faudrait que tu fasses croire que Sherin Ford, enfin, que tu lui fasses croire un certain nombre de choses, en fait. Ah, il était de mèche, d'accord. Oui, mais en fait, oui, alors il était de mèche. Bon, évidemment, j'ai oublié de vous dire, hein, c'est tous des, ils ont tous une origine de profond, sachant que, comment il s'appelle, Fishben était quand même bien plus avancé que les autres ouvriers. Hein. Donc il a été sacrifié, lui. Oui, il a été sacrifié. Ouais. Il a été sacrifié pour pouvoir. En fait, ils ont pris prétexte que il enquiquinait Lucinda et donc que Sherin Ford l'aurait tué parce que il enquiquinait sa domestique, en fait. Ah, et le tatouage. Alors, le tatouage, c'est parce qu'ils sont tous membres du culte. Oui, tous les ouvriers ont ce tatouage, mais sont très cachés. Plutôt au niveau de laine entre les jambes, enfin des endroits un peu cachés, en fait. Lucinda en avait aussi ? Non, Lucinda. Alors attends. Elle a un médaillon, mais après. Elle, c'est Stark qui lui a gravé. D'accord. Pour porter un petit peu, pour faire un petit peu de confusion. Ah oui. Voilà. Et puis là aussi, Stark, il a aussi joué avec les sentiments de Mina. Et ça, l'objectif, c'était de la sacrifier. Parce qu'en fait, le plus il y avait de sacrifices, plus le Chris prenait, aspirait, comment on appelle ça? L'énergie vitale. L'énergie vitale. Pour l'utiliser après, ouais, d'accord. Voilà, exactement. Donc, c'était toujours la même lame alors? Alors il y en a une quand même qui était la première, celle qui a tué Fishben, elle est restée à la police, sinon après tout le reste du temps celle de Londres. Ah ben ça c'est une fausse piste de. C'est une fausse piste, celle de Londres. Okay. Parce que le Chris, il y avait un Chris là-bas qui s'est retrouvé. Ils se sont arrangés pour qu'il disparaisse parce que ce jour-là, Sherin Ford était parti à Londres. Et pourquoi avoir tué Miss Hooper alors ? Ah ben c'est pour continuer d'accuser Sherin Ford. D'accord, en fait. C'était donc pour continuer à. Ouais, d'accord, ok. Voilà. Et puis si tu veux, il voyait pas apparaître Sherlock Holmes, hein, donc ils se sont dit qu'il fallait continuer d'accuser son frère parce que c'était seul moyen de le faire venir. C'était ça. Venir. Ouais. Bon, sachant alors. Concernant les Holmes, bon bah le pauvre Mycroft lui a pris le train hein, comme prévu, mais a été. Si vous aviez un petit peu investigué, vous auriez appris que au premier arrêt, donc à York, il a été emmené par deux hommes, des hommes de Moriarty. D'accord. Voilà. D'accord. Et si Lucinda n'avait pas été zigouillée, elle m'aurait dit quelque chose à son fameux rendez-vous ou c'était Alors, elle t'aurait balancé Stark en fait. C'est pour ça qu'elle C'est pour ça qu'elle l'a tué. Enfin, qu'il l'a éliminé après. D'accord. Oui, parce qu'en fait, elle avait des remords parce qu'elle a compris que elle était d'accord pour faire croire les histoires avec Fishben, mais le fait que Fishben meure, elle s'est aperçue que finalement Stark, il était peut-être pas aussi sympa et aussi amoureux qu'elle le pensait. D'accord. Okay. Voilà. D'accord. Et le fin, il avait un effet sur les rats. Non, en fait, si tu veux, c'est que les rats, comme ils étaient occupés ailleurs, vous avez de la chance le jour où vous êtes allé, vous êtes passé là-bas. Donc le chat n'a eu aucun effet. Mais bon. D'accord. C'est pour la petite histoire, c'est bien.
Et si on remonte loin dans le temps avec tout ce qu'on a trouvé, avec les galeries romaines, etc. Oui. Il y avait une relation avec la statue qui était déjà placée là. Il y avait tout un truc, ouais. Il y avait tout un truc. Alors disons que si tu veux, par rapport à la statue, c'est que comme elle était énorme, ça voulait dire qu'en fait elle pouvait pas. Ça, j'ai compris qu'elle était déjà là depuis un petit bout de temps. Voilà. Ils ont construit autour, en gros, quoi. Voilà, c'est ça. Parce qu'elle, c'est était, un peu tellement... Ça, oui. Parce qu'elle était tellement énorme qu'ils n'ont pas pu la passer par la trappe, quoi. C'est impossible, quoi. C'est ça. Donc, ouais, ok, d'accord. Voilà, c'est assez ancien, en fait. Et donc, l'histoire remonte déjà bien avant, en fait, avec l'histoire du prêtre qui a essayé de faire de l'exorcisme et qui s'est fait, on va dire, en papaouté par les... Ouais, ça remonte bien avant, en fait. Il y avait un texte. Il y avait un texte de la Rome antique, en fait, que vous n'avez pas eu. Et qui, voilà, qui explique les premiers hommes rats, hein, c'est ça, si je ne me trompe pas, de... Oui, oui. Mmh, en fait, c'est les hommes rats, les choses rats, elles se trouvaient dans l'église. En fait, c'est Stark, quand il est arrivé, il a tourné un petit peu partout et donc il a réussi à ce qu'elle lui obéisse, en fait. Faire un pacte, ouais. Okay. Un petit scénario d'initiation, quoi. Hein. Mais bon, c'est quand même pas mal, je vous félicite, hein, parce que vous avez... Mais pourquoi l'homme en noir nous a bouffé ? De quoi ? Pourquoi ? Pourquoi est-ce que l'homme en noir nous a bouffé ? Nous a pas nous a pas terrassé. Alors, écoute, en fait, à chaque fois que tu lui tirais dessus, il grossissait. Ah d'accord. Ça, voilà. J'ai compris ça, ouais. Voilà. Et alors, en fait, si tu veux, on en a parlé avec un quand on préparait tout ça, et c'est vrai que on s'était dit c'est simple, s'il arrive à son stade ultime, donc c'est 5 tours, enfin c'est au bout de la cinquième fois. Bon, on s'était dit, là, tout le monde va y passer, quoi, hein, ça va, bon. Et dans le scénario, il te dit non, il s'en va. Donc, bon. Mais c'est quoi? Le scénario, il est bien, mais par contre, la fin, elle est torchée en une page, et c'est complètement pourri. Hein. Tu peux dire qu'il est là comme observateur, hein. Oui, c'est ça, en fait. C'est aussi son rôle, hein. Voilà. Ah, oui, c'est vrai. Mais c'est un ancien, là, l'homme en or, qu'est-ce que c'est? C'est Nyarlathotep. Ah, c'est Nyarlathotep. Ah, d'accord, oui. Himself. Et il allait donc se transformer dans sa forme. Tu avais continué de lui tirer dessus. Ça servait à rien, alors j'ai changé de cible. Il a de tête dans sa vraie forme, au secours, quoi. Oui, c'est pour ça. C'est le dernier truc que tu vois, quoi. C'est un peu ça, ouais. Je vous dis bravo, hein, vous avez bien, c'est bien. Bravo. Donc, du coup, maintenant, Maurice et Émilie vont pouvoir se marier. Je pense, oui. Tu peux commencer le prochain scénario sur le mariage de Maurice et d'Émilie, ça serait bien. Non, mais après, je ne sais pas ce que c'est. Je ramènerai des poules. Alors, ce qu'on vous propose, vous pouvez. Alors, déjà, peut vous proposer un autre scénario. Une campagne C'est une campagne qui se passe donc avec Jacques l'Éventreur. C'est petit article qu'on a fait lire. Je sais plus quand, mais oui. J'ai lu un article. Oui, je me suis demandé s'il y avait un lien. Dit qu'il n'y en avait pas. Et tu m'as jeté mon article que j'avais préparé telle une chose sans importance. J'ai bien compris que si je t'avais fait un horoscope, par contre, ça aurait été mieux. L'horoscope, c'est pour... il croit pas vraiment, c'est juste pour... c'est juste pour avoir... Parce qu'en fait, l'horoscope, c'est toujours gentil. Donc, c'est le seul truc gentil. C'est, tu vas rencontrer quelqu'un, tu vas faire une rencontre, tu dis, ça met de l'espoir pour la journée. Tu veux devenir riche, tout ça. Alors, on va vous proposer ça, si vous êtes d'accord. Mmh. Alors, je vais rester sur quatre investigateurs, hein, parce que pour moi, c'est plus simple. Soit vous gardez vos personnages et vous pouvez faire votre montée de niveau, hein, avec tous les jets pour lesquels vous avez réussi.
Ça, vous voyez. Ou alors, si vous souhaitez changer... Moi, j'aime bien mon perso. Bien. Ouais, moi, c'est ce que j'allais dire. Je trouvais que c'était sympa. Et puis, ils se connaissent un peu. Donc, du coup, ça sera plus facile. Pareil. Bon, bah, très bien. De toute façon, sur Roll20, vous pouvez faire... ça reste ouvert tout... Ah, non. Ça reste accessible. Non ? Oui, ça reste accessible. Ouais, ça reste accessible. On peut faire la montée de niveau comme on veut, en fait. Ah, on n'entend plus deux. Non, on a perdu deux. Ah non, c'est parce qu'en fait, je parle sans appuyer. donc, je vous laisse faire ça. Et puis, puis voilà. Donc, je voulais vous remercier parce que... alors déjà, ça m'a... je vais parler en tant que MJ, on va dire. Mmh. C'était... je trouvais c'est très intéressant d'être de l'autre côté. Mmh. J'espère que j'ai été à la hauteur, parce que c'était pas simple, parce que comme l'a dit c'est un scénario d'initiation, mais en fait il y a très très peu d'informations, donc faut beaucoup réfléchir, de préparation. Faut beaucoup de préparation, ouais. Faut arriver à improviser, donc voilà. Je vais pas vous mentir, pour moi la scène finale c'est quelque chose pour lequel j'ai le plus angoissé, en fait, parce que je trouve que la gestion des combats c'est extrêmement compliqué. La fin c'était quand même relativement un peu un tunnel de toute façon, hein. Vous étiez voilà, il y avait qu'une seule voie. Hein. Oui, on était guidés. Pour les combats, si je peux te donner un conseil, faut faire des simulations avant, hein. Tu t'entraînes avec un et puis tu jettes des dés, tout ça, tu vois. Tu le tues tous les soirs, hein, à coups de dés. Non, mais c'est il y a que comme ça que tu peux appréhender. Voilà, et c'est vrai que c'était, mais je lui ai dit hein, dès le début, hein, je lui ai dit, tu sais ça, ça va être compliqué, je pense le. Donc voilà. Après, vous m'avez bien fait rigoler. Je trouvais que vous avez bien mené votre enquête. J'ai essayé d'utiliser. Il y a que pour toi, Lloyd, où c'était compliqué, mais j'ai essayé de voir par rapport à vos personnages ce que je pouvais rajouter. Donc c'est pour ça que Maurice il a eu son horoscope, que Émilie elle a eu son aiguille à chapeau dans la crypte. Harry, tu m'as bien aidé parce que. T'as un petit défaut qui m'a bien aidé avec les ouvriers. Je t'en remercie d'avance. Je t'en prie. Ah, merci beaucoup. Voilà, il y a que Monsieur Finlay où j'ai pas réussi à trouver quelque chose. Ah, voilà. Oui, je comprends. Donc ça, c'est... Il a bien joué sa folie. J'ai pas compris ce que c'était d'ailleurs. Ah, c'était... ah vous, mais oui, bah, pas mal aussi les folies. Hein, bravo. Ben moi j'en ai une, mais elle n'était pas. Quand tu pleurais, tu as eu la même chose. Oui, la première, oui, mais. Ah oui, la deuxième c'était autre chose. Ouais, c'était pas. C'était un peu plus compliqué aussi. Ouais. J'ai pris le contre-pied de ce qu'avait fait. C'était Maurice, pas mal. Ouais, toi, tu rigolais. Oui, moi, je me marrais et toi, tu pleurais. Quoi, j'étais en pleine hystérie. Mais ce qui était rigolo, c'était carrément l'antithèse de la réaction attendue dans un sens comme dans l'autre. Donc, au final, c'était pas mal. Voilà, puis je remercie qui m'a bien aidé quand même. Oui, c'était bien, cette masterisation à deux. Ouais, c'était vachement bien. C'est vraiment bien, quoi. La masterisation avec vous deux, là, c'est vraiment excellent. Moi, j'ai vraiment apprécié, quoi. Ouais, c'est rigolo. Et c'est bien de changer d'époque aussi. Hein. Moi, j'ai bien aimé que pour une fois, aussi, on sorte de... C'est vrai. J'aime beaucoup. Ouais. C'est vrai que c'est sympa que vous ayez été tous les deux. Comme il y avait quand même beaucoup de PNJ au final. Ouais, hein, il y en a pas mal. Et puis la prochaine, c'est encore pire. Hein. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Ça, c'est souvent... ça va être citadin, ça va être à Londres. Hein. Ah, cool. Plan de Londres. Ouais, pas besoin d'équitation, les amis. Hein. Ouais, c'est ça. Oui, vous allez bien connaître Londres. Ah, ben si, il y a bien des chevaux à Londres. Oui, mais bon. Ouais, mais je pense qu'il y a peut-être des câbles aussi. Appeler des taxis, on n'est pas obligé de faire nous-mêmes. Voilà, il y a des cochers, hein, on va les utiliser. Hein, ils sont plus habiles que nous. Hein.
Ah, c'était chouette. Non, mais c'était bien, ouais. C'est bien de Excellent. Rencontrer Sherlock Holmes. Bon, alors, Sherringford, comment dire qu'on n'a pas vu sous son meilleur jour, mais c'est non, vraiment. Ça. Et est-ce qu'on peut parler non, de comment ouais, vous l'avez la appelé tout le long du. Oh, eh, mais c'est du coup. Qui nous connaît, on estropie toujours tout. Oh là là. Sherringford ou chez Finrod. Mais tu sais, je ne sais même plus comment il s'appelle à la fin. Enfin, c'est le frère de Holmes, hein, après. Chez Finrod. En fait, je pense qu'il nous faut des noms à deux syllabes. Au-delà, on a du mal. Alors, je sais pas entre nous qui est le pire, mais on a tous, je crois, fait des choses bizarres avec ce pauvre nom. Hein. Avec Shre. Par ouais. contre, j'ai vu l'affiche Cthulhu du coup de Sherlock Holmes. C'est pas mal quand même. Hein. Il y a des bonnes stats. Ah, c'est pas mal, ouais, c'est pas mal. Ah, bah attends, je peux vous la partager. Ouais, mais est-ce que son addiction à toutes ces addictions ne le rend pas de temps en temps plus prompt à devenir fou hein? Il est dans le déni à chaque fois qu'on y voit des trucs. Alors, Ouais, d'accord, mais. Il bah, après, la magie, il y a un autre comme la science qui n'est pas acceptée. Il a quelques défauts aussi. Il a 99 en santé mentale, donc c'est normal. Hein 94. 94, ouais, j'étais pas loin. Ouais. Tu vas avoir des compétences à 110 en plus, je pense. Ah, j'avais pas, je l'ai pas complété entièrement en fait. Il a 100%, je crois. Non, ouais. C'est son frère. C'est Mycroft qui a 100%. En quoi? En santé mentale? Non, non. Donc, En quoi? J'ai rempli que les compétences de combat sur. Ah, t'as pas rempli les stats, non. Ouais. Bah, c'est vrai que. Pas beaucoup, enfin, t'as pas beaucoup à t'en servir, hein, de toute façon. Non, mais voilà, donc, mais après. Pour la fin, donc, quoi. Sherlock Holmes, il a 95 en intelligence. Ah, bah. Il dépasse. Mais, dire que le jour où il loupe son test de santé mentale, il va réaliser très très bien ce qui lui arrive. Ah, bah, il va tout pour comprendre. Pour ça qu'il veut surtout pas, il veut surtout pas avoir rien à faire avec les choses surnaturelles, parce que je pense qu'il sait que ça lui serait fatal. Alors, qu'est-ce qu'il a lu? Direct à Zépidia. Il a 96% en baratin. Il a déguisement, il a 99%. Ah oui. Ah bah oui, si lui il a pas ça. Psychologie, il a 100%. Trouver objet caché, 94%. Mais il parle l'allemand, le cornouaille, le français, le grec, le latin, le phénicien. Et alors lui, il avait un avantage, Holmes, c'est que si on combat au point, il pouvait jouer deux fois. Ah, deux fois dans le tour. Ah ouais, d'accord. Ouais. 94% en trouver objet caché, 63% en violon, pour ceux que ça intéresse. À quoi ça sert de parler physicien? Ah bah je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être que des fois tu dois avoir des énigmes en phénicien, savoir. Ou peut-être que c'est un des langages codés qu'utilise Moriarty, le phénicien, ça serait bien digne de lui, ça. C'est possible. Mycroft, il a 100% en sciences politiques. Après, c'est pas un truc de te sert beaucoup, les sciences politiques. C'est quand même un goût. Je crois pas qu'on s'en soit jamais servi. Il mais... a 93% en toc, il a Mycroft, tu vois, Holmes. Bah alors, je ne comprends pas comment il s'est fait kidnapper, lui. Hein. Ça, c'est pas normal. Hein. Alors, il l'avait drogué, hein. Je vois que ça. Hein. Sinon, c'est pas possible. Est-ce qu'il ne s'est pas dit que c'était le meilleur moyen pour retrouver ses frères? Ça c'est un coup d'âme. Il s'est laissé faire, en fait. En fait, il s'est laissé attraper. Il les a fait attendre comme des neuneux son train, là. Donc, sachez quand même que j'avais préparé plein de trucs hein, en me disant bon alors là ils vont faire ci, ils vont faire ça. Et ben non. Alors on a déçu tes attentes. Mais est-ce qu'à un moment donné on a réussi vraiment à te surprendre en faisant un truc tu t'étais dit mais pourquoi ils font ça? Alors attends je. Écoute, non, je crois pas. Après, il y a des petits trucs que vous avez fait. Moi, j'ai bien aimé toutes les questions de rebouchage de trous de rats. Ça me faisait rigoler. Ah oui, on était stressés par ça, ces trous de rats, là. J'aimais beaucoup.
Après, c'était dirigiste quand même. Oui, ça l'est quand même pas mal. C'est timé en fait, c'est un scénario timé. C'est donc... ça, c'est oui, une chronologie qui ne change pas quoi qu'on fasse. Ouais, tu sais que tu peux rien faire au niveau de l'événement, qu'il va y avoir l'événement final, ce sera l'apothéose du truc. Et d'ailleurs, rien faire on a bien senti certaines nuits qu'il fallait vraiment qu'on aille dormir quand même. Hein. là, je veux dire qu'on a je trouvais ça, mais j'étais comme ça, je dis, mais ils vont arrêter. Ils vont arrêter, ils vont aller se coucher quoi. Oui, on a bien senti que. Allez, je crois que c'est rien pour ça hein, qu'on n'y est pas allé, qu'on trouve des excuses à faire ou autre chose. Hein, mais alors, du coup, Jevers, il est devenu quoi? Ah, il est mort. Mais quand? Alors, Jevers, il a été emmené dans les limbes. Hein, et, bon, c'est un tigre à dents de sabre qui l'a boulotté? Ah, peut-être. Bah, parce qu'il y avait du sang quand même. Lloyd, il avait trouvé du sang. Oui. Mais comment ça se fait qu'il s'est fait choper? J'ai pas compris pourquoi il est sorti. Bah, si tu veux, normalement, c'est Graves, hein, qui gérait tout ce type de truc, parce que Jevers, lui, il s'occupait que de l'intérieur de la maison, on va dire. Et comme Graves, il avait été tué, bah, comme là, il a vu quelqu'un arriver, il y est allé, et puis c'est fin. Ah, ouais. Aussi. Pas de témoin, hop, on en a. C'est ça. Il n'y a plus un seul, ce qu'on se disait avec. Il n'y a plus personne, hein, chez Holmes. Plus personne. Ouais. Tout le monde y est. Et passé. Puis, vu l'histoire de la maison, il peut attendre pour recruter, hein. Là, tout ce qui s'est passé. Ils vont réparer tout ça, et puis ils nous inviteront pour l'été prochain, tout ça. Bon, après, moi, j'ai fait attaquer les endroits où il y avait des portails, en fait. C'est pour ça qu'ils ont attaqué le grenier. Alors, sauf la serre, ils ont attaqué le grenier parce qu'il y avait un portail. Il y avait un portail dans le dortoir, donc là, ils l'ont attaqué. Ouais. Et dans la serre, en fait, il y avait pas grand-chose dans la serre, hein, donc il y avait pas grand-chose à trouver. Je sais pas, la tapette à souris non plus. Hein. Non. Oh oui, à Pierre, attends. Ah oui. Alors les tapettes à souris. Je t'avouerai, Maurice, que quand tu as dit « je vais mettre un piège à ours », à l'entrée du truc, là, je me suis dit, je l'ai noté, hein. Je me suis dit, là, s'ils me mettent à une entrée de portail ou une sortie, un piège à ours, mais alors, ça va être quelque chose. Il y avait des plantes pour faire du poison, ce qui servait à. Il y a du pavot, en fait. Comment? Il y a du pavot. Oui, c'est ça, il y a du pavot. Ouais. Mais voilà. Après, dans la crypte, il y avait énormément de choses dedans. Mais on a tout fouillé, mais. Non, en fait, il y avait. Quand vous êtes descendu, Maurice, bon, il a eu son. Il a vu la statue, la poule. Après, il y avait les ossements. Les ossements. Ah oui, ben les ça. Les ossements, après, ils n'y étaient plus. C'est qu'en fait. En fait, il y avait sur les étagères, il y avait énormément de choses. Il y avait quatre piédestals où il y avait des trucs dessus. Et comme vous n'êtes pas allés, ils sont pas allés jusqu'au fond. Hein, vous êtes restés au début. Hop, vous êtes remontés. Puis bon, après, tout a été enlevé. Bah oui. Et les ossements, c'était bien ceux des ouvriers ou? Non, alors c'était oui. Enfin, si t'avais un peu d'ouvriers, t'avais tous ceux qui peuvent trouver pour. Ouais. Pour faire pour les sacrifices, en fait. Ouais, d'accord. Mais pourquoi il y avait un signe des anciens en haut de l'église? Ah oui, tiens. Alors signe. En fait, en haut de l'église, quand tu avais un des quatre maigres bêtes de la nuit dedans, qui popaient la nuit. Ah, d'accord. Ah, donc, il a tombé de la nuit. Signe des anciens. Par là. Ouais. Voilà. Pour les faire venir, quoi, en gros. Quoi. C'est ça. Okay. C'était quoi, j'ai pas compris. Oui, oui. C'est Stark qui avait dessiné le signe des anciens pour faire venir la bestiole. Voilà, c'est ça. C'est ça. Ça peut venir la bestiole, ça? Oui. Bah, c'est un rituel, mais bon, oui, quand tu connais la magie, ouais. Ah oui, je pensais que ça, au contraire, ça... Et du coup, c'est... Ouais, alors, j'ai fait plein de recherches sur le signe des anciens, parce qu'en fait... pour comprendre en fait à quoi ça correspondait. Mmh. Et si tu veux, c'est pas Lovecraft qui a dit que c'était une protection. C'est quelqu'un d'autre qui, en reprenant les écrits de Lovecraft, a dit que c'était une protection en fait. D'accord.
tu vois. Mais j'ai pas trouvé de choses. Pour moi aussi, hein, c'était une protection, mais en fait, là où il y avait, c'était pour en haut de l'église. Hein. Ça, t'avais des monstres qui apparaissaient. Et comme en fait, elles arrivaient à sortir en cassant, bon bah voilà. Et puis dans le souterrain, t'en as un aussi. Et là, je l'ai plus pris comme un signe de protection. Mais comme notre chère Madame Gibson a mis plein, plein de rouge à lèvres dessus, bon, bah écoute. Hein. Non, ah, d'accord. C'était bizarre ces signes aussi. Hein. Fallait les arrêter. Hein. Des fois que ça aurait été un portail, on savait pas. Ouais, donc là, en fait, pour ça, j'ai pas vrai. Il y a des trucs pour lesquels, en fait, j'ai pas d'explication, tu vois. Oh, mais c'est pas grave, c'est normal. C'est normal qu'on comprenne normal. Pas tout. Après tout, c'est trop étrange. Il y a une créature, je sais plus si c'est les maigres bêtes de la nuit ou qui sont dressables avec un sifflet en os, je crois. Ah oui, t'as raison, j'ai lu ça aussi dans une nouvelle. Oh, je me souviens plus. En fait, il y en avait un qui est un cultiste, en fait, qui les dirigeait grâce à un sifflet en os, en fait. Donc, ouais, mais je suis pas sûre que ce soit les maigres bêtes de la nuit. Je sais pas si c'est pas une autre bestie, notre truc. J'ai déjà lu ça une fois, mais je me souviens plus. À un moment, on avait ça dans les oripeaux du roi, il me semble. Ouais, on avait ça. Mais c'était. Quand tu le fais attaquer, il faut le contrôler, quoi. Donc, j'imagine que derrière, il devait y avoir sûrement un rituel ou chose comme ça, quoi. Contrôler la créature. Et du coup, Harry, il pourra garder son bouquin de magie pour bouquiner pendant la période, non c'est sa magie blanche, là. Oui. Tu vas pas apprendre grand-chose. Hein. Je crois que vous êtes passé à côté d'une Necronomicon aussi, qui était ouais, dans le coin. Mais plein de fois. Alors, plein de fois. Je vais te dire, il était plein de fois. Dommage pour Harry. Alors, je vais dire Harry. Toi qui es allé dans la... Alors, t'as pas eu de bol, t'as raté ton jet de toc en plus. Hein, ce qui est... Alors pour la petite histoire, donc les portails, il y en avait 10 en tout. Un qui menait donc à Stonehenge, mais à une ancienne époque. Et puis après, t'en avais d'autres. Donc effectivement, Lloyd, il s'est retrouvé dans une caverne où il y avait des tigres à dents de sabre, et toi tu t'es retrouvé, donc tu étais dans le bureau de Moriarty. Oui, je m'en suis douté, mais le joueur s'en est douté, pas le personnage. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai fouillé la bibliothèque, il va y avoir quelques livres intéressants. Voilà. Puis j'ai fait non, je repars directement, parce qu'on était dans une, on va dire, dans une espèce de bulle temporelle, je savais pas trop en fait. Donc du coup, je me suis dit, bon, je vais re-regarder ce qu'il y a sur la table, prendre ce qu'il y a sur la table, et puis faire demi-tour, quoi. Voilà. Et je me suis bien douté que j'étais dans l'antre du maître, en fait. Il y avait le plan de la villa, du manoir. J'ai pas regardé dessus, mais il devait sûrement y avoir des petites annotations ou les endroits où il y avait les portails, etc. Où il y avait plein de choses. Ouais, je m'en suis douté. Mais après, j'ai joué mon perso en disant, je reste pas là. Si tu veux, dans le bureau de Moriarty, ouais. Alors t'avais effectivement on en a rajouté plein des trucs, et donc t'avais le Necronomicon, c'était le livre qui était sous cloche. D'accord. Voilà. Qui normalement était dans la, il y en avait un dans la crypte, qui a été repris en fait. Qu'est-ce qu'il y avait chez lui, chez Moriarty, il y avait pas mal de trucs hein, quand même. Hein. J'avais chargé, hein, mais comme t'as raté, hein. Il y avait un crâne, il y avait un crâne de tigre à dents de sabre, mais tu ne l'as pas vu. Il y avait plein de petits trucs. La correspondance avec Stark, ce qu'aurait pu vous aider aussi. Un vrai cabinet de curiosité là, oui. Ouais. Il y en avait des choses. Hein. Et si tu avais regardé par la fenêtre, tu aurais vu Big Ben. Voilà. D'accord, ok. Ça aurait pu t'aider. Ouais. Mais bon, non, mais après, après c'est pareil, hein, ça, les histoires de portail, bon, c'est pas très bien expliqué non plus. Hein. Bah, y a rien, hein. y a juste rien en fait. C'est toi qui invente. D'accord. Bah oui, c'est connu. C'est même pas eux qui les ont créés, ils étaient déjà là, quoi, en fait. Alors c'est en fait qui est-ce alors c'est Moriarty. Alors c'est Moriarty qui est capable de faire un portail dans les limbes. C'est le seul hein, qui peut. Ah, d'accord.
C'est du high level hein, quand même. Oui, c'est ça. Ah bah, il... bon, Stark avait zéro en santé mentale, c'est la première fois que je vois ça. Mais bon. Ah oui, quand même. Ouais. Il arrive à discuter quand même. Hein. Ouais, ouais, bah c'est oui. Ça, ouais, c'est... Il arrive à se cacher. Alors, en fait, on n'a pas réussi à l'interroger correctement. On aurait peut-être pu avec un geste de psychologie c'est, en fait, voir qu'il tu peux était pas. Complètement déjanté. Quoi. Ah, mais tu peux pas, en fait. Prêt pour qu'on le, croise, mais bah, qu'on... Oui. D'accord. Qu'on ne coince jamais. Stark, quoi. Stark et les ouvriers, peu importe ce que tu... vous pas, n'auriez quoi. Eu aucune information, ouais. Justement parce qu'ils ont, ils ont l'habitude, parce que ce sont des cultistes et ils ont l'habitude de se cacher. Comme en plus, eux, c'est des profonds, ils faisaient tout pour se cacher, en fait. Donc, ouais, ouais. Damned. Donc, voilà, hein. Oh non, mais. Bon, très bien. Je suis content de l'avoir, hein. Celle-là. Parce que...